à tous. Bonjour. Thibaut et Anthony, donc on se retrouve dans le cadre de notre partenariat avec Eternia pour une nouvelle séance adaptée aux seniors. Donc le thème de cette séance-là, vous l'avez vu, c'est au sol, donc avec tapis, pour travailler toute la ceinture abdominale. On avait eu des questions lors de la foire aux questions auxquelles on avait répondu sur l'objectif ventre plat, donc il faut travailler principalement, même si ce n'est pas le seul objectif, la ceinture abdominale et les lombaires. Donc on va faire une séance spéciale abdo-lombaire au sol, adaptée à un public senior. Donc pour cette séance, on aura besoin simplement, pour ceux qui veulent, d'une bouteille d'eau. C'est pas obligatoire, la bouteille d'eau, ça viendra complexifier pardon, certains exercices. Donc c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire toute la séance sans matériel. La bouteille d'eau, si elle est pleine, ça fait 1,5 kg. Si vous la trouvez trop lourde, vous enlevez un petit peu d'eau, ou voilà, vous trouvez quelque chose qui s'apparente à ça, et pas plus d'un kilo 5, ça sert pas à grand chose. Donc pour cette séance, on va vous demander de commencer à quatre pattes par un petit échauffement. Donc on vous laisse vous mettre en place. Bien sûr, il faut un tapis, c'est la seule contrainte pour cette séance. Si vraiment vous n'avez pas de tapis, un plaid ou un tapis de salon, ça peut... Un petit surmatelas aussi, si vous avez, ça peut faire l'affaire. Voilà. Donc on recommence avec un petit échauffement. Donc pour l'échauffement, on va vous demander de vous mettre comme ceci à quatre pattes. On garde bien les mains sous les épaules. C'est pareil, les genoux sous les hanches pour avoir le dos le plus droit possible. On évite de creuser, on évite d'avoir le dos rond. On essaie d'avoir le dos vraiment bien droit. Et pour cet exercice-là, on va vous demander de venir lever la jambe et la main opposée à la jambe. Donc ça se représente comme ceci. Si je lève la jambe gauche, je viens tendre la main droite devant moi et je repose, d'accord ? L'autre côté, et on alterne bras droit, jambe gauche. Le bras étendu, le coude étendu, la jambe étendue aussi. On maintient 2 secondes en l'air et on change de côté. Essayez d'aligner tout. Hein. Quand vous avez le bras tendu jusqu'à la jambe, poignet, coude, épaule, dos, hanche, genou, cheville. On essaie vraiment de faire une ligne droite. Et si on veut caler la respiration sur le mouvement, vous prenez une inspiration quand vous êtes les 4 appuis au sol et on souffle. Dès qu'on a fini de souffler, on repose. On souffle, on repose, on inspire les 4 appuis au sol, on souffle. Dès qu'on a fini de souffler, on repose et on alterne de cette façon-là. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Pareil, pour éviter d'avoir mal au cervical, on évite de relever la tête, on garde bien la tête vers le sol. Vous regardez entre les deux mains. Allez, dernière. Et on relâche. On peut aller vite fait s'asseoir sur les talons si vous voulez relâcher un petit peu la zone lombaire. Tac, on s'étire un petit coup comme ça. On vous le montrera à la fin, cet étirement-là. Et ensuite, on remonte à quatre pattes et on va gentiment passer sur le dos pour le premier exercice. Donc pour cet exercice, on s'allonge complètement. Voilà, et on va commencer progressivement. Donc on va tendre les bras au-dessus de la tête. Pour ceux qui ont mal aux épaules, vous laissez les coudes au sol, vous relevez un petit peu les mains et vous allez comprendre comment vous allez faire. Dans l'idéal, bras tendus, jambes tendues, le dos il a tendance à creuser forcément un petit peu. Donc là c'est à vous de mettre tac, le petit coup de bassin de manière à aplatir le bas du dos vraiment contre le tapis pour éviter que ça creuse trop. Et là, on va venir ramener le genou gauche et le bras droit. Tac, on croise, on vient toucher la main sur le haut de la cuisse. On repose tout et on part de l'autre côté. Allez, jambe droite, jambe gauche. Allez, droite, gauche. On souffle en venant toucher. Droite, gauche. Et on inspire en ouvrant le bras et la jambe. Gauche, droite, gauche. Pas plus vite que ça pour le moment. Droite. Et on se concentre pour garder le dos bien à plat, surtout quand la jambe redescend. C'est là où ça va avoir tendance à creuser un petit peu. C'est à vous de faire l'effort, la contraction abdominale, pour garder le dos le plus à plat possible tout au long de l'exercice. Allez, on accélère un petit peu pour ceux qui peuvent. Je rappelle, ceux qui ont mal aux épaules, on part ici, on vient toucher et on repose le coude au sol. Donc s'il y a des hanches capricieuses, là moi ça vient de craquer, donc c'est pour ça que j'y pense,
Vous ramenez moins le genou et vous allez chercher un petit peu plus loin avec la main, comme je vous montre là. Et pour les autres, on peut bien fléchir la hanche. Et on va tenter une petite variante. Là, cette fois-ci, on va ramener à chaque fois deux fois contre la même jambe. D'accord ? Donc deux fois jambe gauche, deux fois jambe droite. Pensez à votre dos toujours. On ne laisse pas creuser sur la redescente. En soufflant, en venant toucher toujours. Allez, 2, 2, 2, 2. Allez, on accélère un petit peu pour ceux qui peuvent. Là, on peut aller vite. On monte progressivement l'intensité. Allez, 3 encore. 2. 1. Et on relâche. Donc récupérer, ça va chauffer un petit peu au niveau de la hanche, sur l'avant de la cuisse, là, au niveau du psoas. Et cette fois, on va plier les genoux de manière à avoir les pieds à plat au sol, les genoux pliés, le bas du dos bien à plat. Il a plus tendance à être à plat dans cette position-là, mais ça demande toujours une contraction des abdos, un petit la bascule du bassin pour aplatir les lombaires contre le tapis. Et là, dans cette position-là, donc les pieds sont écartés à peu près à la largeur de vos épaules, les bras le long du corps. Et là, on va monter, tac, le bassin très très haut. Donc pour les premiers, on y va mollo. On redescend. Dès qu'on sent le sol, on repart. 2. Donc on le fait lentement. 3. Plus vous le faites lentement, plus ça va correctement travailler dans les cuisses, les fessiers et le bas du dos. Allez, 5. 6. Et le but du jeu, c'est d'aligner les genoux, les fesses et les épaules quand on est en haut. 8. 9. 10, on souffle en montant, en inspirant, en descendant. 11, 12, allez, on monte bien haut. S'il y a des raideurs dans le bas du dos, vous gérez, vous arrêtez un petit peu plus bas. Allez, 2, 1, et on bloque en haut. On reste très haut, donc là on respire normalement, continuellement. Vous ne bloquez pas la respiration, ça va chauffer dans les cuisses, les fesses, éventuellement le bas du dos. On essaye d'être le reste du corps bien relâché. Et on relâche. Tout doucement, on redescend. Pour relâcher la tension dans les jambes et le bas du dos. On bouge tranquillement les jambes. Et cette fois, on va faire le même exercice en rajoutant l'action des bras un petit peu plus dynamique. Donc les coudes au sol, comme on se met nous ici, à 90 degrés. Les avant-bras perpendiculaires au sol. Et on va faire comme si on poussait un bâton vers le plafond. On redescend, toucher les coudes, on pousse le bâton. Et à chaque fois qu'on va monter les bras, on va monter les fesses comme on faisait tout de suite. Allez, 1, 2, 3, on souffle toujours en montant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, on essaye d'en faire 20. 12, si c'est trop dur, vous pouvez stopper avant à 15 par exemple. 14. Allez, on souffle bien. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20, on bloque tout en haut. Allez, le plus haut possible. On relâche les doigts de pied, on relâche les doigts des mains. On garde les coudes tendus, les fesses très hautes. Ça doit chauffer, brûler dans les fesses là. 3. 2, 1, et on relâche tout doucement. Ok, bougez un petit peu les jambes. Et là, on va faire les deux pieds serrés. Donc, vous collez les deux pieds l'un à l'autre. Et là, on va laisser que le pied droit au sol. C'est-à-dire que la jambe gauche, au choix, soit vous la laissez plier ici, comme ça, le pied en l'air, soit vous croisez et vous posez votre pied gauche sur le haut de la cuisse droite. Alors si vous avez déjà eu des soucis de hanche ou si vous avez eu des prothèses de hanche, évitez vraiment de croiser les jambes, hein, surtout, c'est vraiment prohibé. Vous laissez la jambe simplement voilà, sur le côté. Dans le vide. Si vraiment c'est pas possible, vous refaites les deux pieds au sol. Et normalement, une petite jambe en l'air comme ça, ça va. Allez, vous vous mettez soit comme ceci, soit on croise, c'est vous qui voyez. Et on va du coup
faire 10 montées sur une seule jambe. On rapproche un petit peu le pied droit de la fesse. On fléchit un peu plus le genou. Et là, on est parti. Allez, on monte très très haut. 1, 2, les bras le long du corps tranquillement, on ne les bouge pas. 3, allez, on pousse très fort. 4, ça va chauffer dans la cuisse. 5, 6, 7, là il travaille bien, on le sent bien. 8, plus que 2, 9 et 10. On passe sur l'autre jambe et on enchaîne directement. 1, 2, 3, allez, très haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Deuxième série à droite. Allez, on enchaîne. 1, si c'est trop dur, vous en faites moins. 2, pour en faire 5 ou 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe et on fait la dernière sur le pied gauche. Allez, 1, on souffle en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Tendez un petit peu les jambes. Relâchez-vous, détendez-vous, soufflez bien. S'il y en a qui ont besoin d'une pause un petit peu plus longue à chaque fois, éventuellement vous pouvez. N'hésitez pas à bien vous hydrater aussi, c'est important. Vous mettez un petit coup pause et puis vous reprenez quand vous vous le sentez prêt. Et pour l'exercice suivant, on va venir, tac, plier les genoux, même position que tout à l'heure, et c'est là où on va servir de la bouteille d'eau. Moi je fais avec la bouteille, ceux qui ne veulent pas le faire avec la bouteille, vous suivez Anthony qui fait sans la bouteille. La bouteille, on va la prendre comme ceci avec les deux mains, et on va la poser juste au-dessus de la tête. Même position que tout à l'heure, genoux pliés, pieds à plat, le bas du dos pardon, bien à plat, petit mouvement de bassin, contraction des abdos. Et là, on va ramener les deux genoux et venir toucher la bouteille contre les genoux. Ceux qui n'ont pas de bouteille, vous suivez Anthony. On vient toucher avec les mains, comme ceci, en coordonnant. Allez, 3. On souffle cette fois en venant toucher la bouteille contre les genoux ou les mains. Et on inspire sur la descente. Le but du jeu, c'est de venir faire contact avec le sol, les deux pieds à plat, sans reposer complètement le poids du corps sur vos jambes. Dès qu'on sort le sol, on éjecte, on repart. Et on souffle bien en venant toucher. On inspire, on souffle, on inspire. Jamais on ne coupe la respiration. Allez, on commence à compter. Ah, dommage, hein. Allez, 10, 9, 8. Pensez au bas du dos, toujours à plat, même sur la descente. 7, c'est trop dur, vous stoppez maintenant. 6, 5, 4, on pense à la respiration. 3, 2, 1, et on relâche. C'est pareil, on va lâcher les jambes, on va lâcher les bras, soufflez bien, détendez-vous. Le fait de tendre les jambes, ça étire un petit peu les abdominaux, ça relâche le haut des cuisses, donc on peut les bouger gentiment. Et on enchaîne directement avec l'exercice suivant. Cette fois, on va poser la bouteille entre les deux pieds. Donc le but du jeu, ça va être de venir attraper la bouteille avec les pieds et de ne plus la lâcher. Pour ceux qui font sans matériel, encore une fois, vous suivez Anthony. Donc là, moi, je vais simplement coller les pieds sans matériel. Et on démarre, genoux pliés, pieds à plat. Allez, bras le long du corps, on ne fait plus les bras. Et là, on complexifie un petit peu, on serre fort la bouteille, on monte. Et on redescend. Dès que la bouteille touche le sol ou les pieds, pour ceux qui font sans matériel, on repart. On ne repose pas, on touche juste. 3. Cette fois, on souffle sur la descente. 4. 5. 6. Donc nous, on compte jusqu'à 20. Vous pouvez arrêter à 10, 12, 15, comme vous voulez. 8. 9. On pense au bas du dos. 10. Toujours bien à plat, surtout sur la descente. 11. 12. 13, 14, 15, on tend jamais les jambes vers l'avant. 16, allez, plus de 4, 17, 18,
19 et 20. On relâche. Donc là, on sent bien que ça chauffe. Surtout si vous vous forcez à garder le bas du dos à plat, on sent bien que ça chauffe dans toute la ceinture abdominale, y compris dans le bas du dos au niveau des lombaires. Donc quand ça chauffe, c'est que les muscles travaillent. Donc là, nous, on en fait 20. Vous pouvez très bien faire deux séries de 20. Ça, c'est à vous d'adapter. Mais dans l'idéal, vous faites des séries longues. On attend que ça chauffe un petit peu. On continue et on prend une petite pause. Ok, on va cette fois repasser assis. Donc pour passer assis, surtout ceux qui ont mal au dos, on essaie de rouler sur le côté. Tac, on pousse avec le bras qui est dégagé pour dégager le deuxième. Et si possible, soit on passe à quatre pattes, soit on reste assis. Parce que là, en l'occurrence, on va rester assis. Donc pour ce dernier exercice, je vais me mettre de face, comme ça vous verrez, Anthony se mettra de profil. Et on peut prendre toujours un objet. Donc soit c'est la bouteille, soit c'est quelque chose d'un petit peu moins lourd, soit c'est rien du tout. Encore une fois, Anthony vous montre pour le faire à vide. Et sur cet exercice-là, on va se mettre, donc vous verrez mieux sur Anthony certainement, les pieds à plat au sol. Ceux qui ont un objet dans les mains, on le tient. Ceux qui n'ont pas d'objet, vous gardez les mains devant. Anthony vous montrera. Et cette fois, on va aller basculer les épaules sur le côté en s'inclinant légèrement vers l'arrière. Donc là, encore une fois, vous verrez mieux sur Anthony. On se redresse au maximum. On s'incline léger vers l'arrière pour enclencher la contraction des abdos. Et on va engager les deux épaules à gauche. Revenir. Et à droite. On n'est pas obligé d'aller toucher par terre. On garde le buste légèrement vers l'arrière. On doit sentir les abdos qui se contractent. Et là, on travaille sur les côtés des abdos, les obliques, ça s'appelle, en engageant les deux épaules, soit avec une charge dans la main, soit sans rien. Le fait d'être penché en arrière, là, on le sent normalement, les abdos se contractent et on souffle en allant sur le côté. On engage bien les épaules, la tête avec, vu que la tête, elle suit le prolongement de la colonne. Donc, restez pas toujours le regard devant, on tourne la tête avec. La même chose, on respire bien, on n'oublie pas de souffler, d'inspirer, d'expirer. Ça doit commencer à bien chauffer déjà normalement. Pour ceux qui veulent, petite variante difficile, on croise ici les pieds en l'air. Comme vous voulez. Sinon, on laisse au sol si c'était déjà trop dur. On se force à se redresser au maximum, on sort les pecs comme on dit. Et on engage les épaules de chaque côté. Plus on engage loin, plus ça va travailler sur le côté des abdos, sur les obliques. Et on relâche. Petite pause et on va la refaire une deuxième fois. Donc on répète pour les variantes, soit les pieds à plat posés au sol. Si vraiment c'est trop dur, redressez-vous, mettez-vous quasiment le dos perpendiculaire au sol et vous alternez juste sur les côtés. Ça sera beaucoup moins dur au niveau des abdos. Et pour vous, ça sera beaucoup plus réalisable et éventuellement moins douloureux pour ceux qui ont mal dans le bas du dos. Allez, on enchaîne sur la dernière. Soit pied au sol, soit croisé. Et on est parti pour 20. Bascule sur le côté. Allez, 1, 2, 3. On reste bien droit. 4, 5, 6. Soufflez sur les côtés. 7, inspirez en revenant au milieu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça peut tirailler un peu dans le haut des cuisses. Allez, il en reste 5. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on peut tranquillement récupérer. Et là, vous pouvez commencer à la vider, cette bouteille d'eau, en vous hydratant, parce qu'on a terminé. Donc l'idée, c'est de prendre quelque chose qui vous corresponde. Là, 1 litre 5, ça travaille déjà pas mal. Si c'est trop, vous la videz un petit peu, vous prenez 1 litre, quelque chose qui fait 1 kilo. Éventuellement 500 grammes, et la simple petite charge peut suffire pour enclencher une contraction un petit peu plus importante. Donc voilà pour cette séance qui concernait les abdominaux, un petit travail des lombaires également, donc que vous pouvez, comme toutes les autres, reproduire 3 à 4 fois dans la journée pour répartir correctement les temps de pratique comme nous le recommande l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Voilà, on espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.